Salut, aujourd'hui la Berlinale commence pour moi, mais en réalité c'est déjà le troisième jour de la compétition. Et ce qu'il faut savoir avec la Berlinale, c'est que c'est un festival public. C'est pas du tout comme Cannes, c'est-à-dire qu'il y a 400 films quand même qui sont au programme dans différentes sections et que le public peut venir acheter, notamment ici derrière moi, des tickets pour les projections. Moi, je suis venue aujourd'hui avec une accréditation presse, du coup j'ai le droit de rentrer dans les séances de presse, mais je peux aussi chercher des tickets dans la limite des stocks disponibles pour des séances qui sont public. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire parce que hier il y a eu deux films de la compétition qui m'intéressaient beaucoup. Pourtant moi j'étais encore dans l'avion donc j'ai pas pu aller aux séances de presse, mais je vais me rattraper aujourd'hui avec les séances publiques. Ici on est donc au cœur du festival, là je suis actuellement dans un centre commercial qui est juste à côté du Berlinale Palace, tout normalement, qui est l'équivalent en fait du Théâtre Lumière au Festival de Cannes. Mais aujourd'hui on va aller un peu plus loin au Friedrichstadt Palace où il y a, qui est aussi une très très grande salle où il y a de nombreuses projections publiques qui sont faites aussi. Alors aujourd'hui, du coup, je vais voir deux films qui sont en compétition officielle. Le nouveau film du réalisateur allemand Christian Petzold qui s'appelle Transit. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé les derniers films qu'il a fait, Barbara et notamment Phoenix, dont vous pouvez retrouver les chroniques écrites encore à l'époque sur mon blog. Et je vais aussi voir le nouveau film de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert qui s'appelle Eva et Gaspard Ulliel aussi, notamment au casting. Donc par contre, bon, Benoît Jacquot, j'ai d'autres... Enfin, j'ai un peu des a priori parce que ces derniers films, j'avais pas toujours beaucoup aimé, notamment La femme de chambre que j'avais déjà vue en compétition ici à la Berlinale il y a quelques années avec Léa Seydoux, que c'était un film que j'avais vraiment pas du tout aimé et qui d'ailleurs n'avait pas fait grand bruit chez nous en France. Donc à voir maintenant ce qu'il a proposé avec Eva. Mais comme les journalistes l'ont déjà vu hier ce film, et ben, ils ont déjà pu dire que c'était pas très très bien. Donc je vous en donne des nouvelles tout à l'heure. Voilà, cette première journée de Berlinale s'achève pour moi. On est donc le soir du dimanche 18 février et aujourd'hui j'ai vu deux films. C'était un petit peu la journée des films tirés de romans. Demain, ça sera la journée des films basés sur une histoire vraie. Je suis donc allée voir cet après-midi, comme j'expliquais avant, deux films en projection publique, tous les deux faisant partie de la compétition officielle de la Berlinale, donc étant en lice pour Les Ours d'or et d'argent. J'ai commencé par le film du réalisateur allemand Christian Petzold qui s'appelle Transit. On le connaît en France pour ses deux derniers films, notamment qui sont Barbara et Phoenix, tous les deux avec Nina Hoss, qui sont sortis au cinéma. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ces deux films, donc j'étais assez impatiente de découvrir son nouveau long métrage. Et j'ai pas vraiment été déçue, c'était vraiment assez agréable à regarder. J'ai trouvé ça bien écrit, assez fin, vraiment différent de ce qu'on peut voir d'habitude. On commence le film avec un personnage principal qui doit fuir l'Allemagne pour gagner une France qui semble occupée. Donc on se dit qu'on doit être au début des années 40 par exemple. Mais cette temporalité est méga floue parce que quand notre personnage principal il habite à Marseille, et ben il se retrouve dans un Marseille tout à fait moderne avec des voitures de maintenant, des prix en euros, ce genre de choses. Par contre quand même pas de téléphone portable et quand il sort sa carte d'identité, il est né en 1908. Donc voilà, il y a un vrai flou artistique on va dire sur la temporalité du film, tout ça pour exprimer le fait que l'exil et la fuite ce sont encore aujourd'hui des thématiques très très modernes. Voilà, donc le film il est assez romantique, c'est un beau mélo on va dire, et moi j'ai pris pas mal de plaisir à le regarder, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et je pense qu'il sortira en France vu que les derniers Petzold sont déjà sortis en France. Bon, c'était pas un chef-d'œuvre je trouve comme Phoenix qui m'avait vraiment bouleversée, mais c'était un bon film.
J'ai ensuite enchaîné avec un film français de Benoît Jacquot qui s'appelle Eva, avec notamment Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Et là, je dois dire que le constat n'est pas vraiment le même. Je ne suis pas fan de Benoît Jacquot à la base, hein, voire même pas du tout. Je ne sais pas pourquoi il est autant présent à la Berlinale. Déjà, il y a 3 ans, on avait pu voir un de ses derniers films qui était Journal d'une femme de chambre avec Léa Seydoux. Et c'était vraiment un très très gros navet. Je crois que la critique est encore à lire quelque part sur mon blog. Je m'étais déjà pas mal énervée là-dessus. Bref, je suis pas une grande fan de Benoît Jacquot. Il avait aussi notamment fait le film 3 coeurs avec Chiara Mastroianni, Charlotte Gainsbourg et Benoît Poulvorde. Et bon, celui-là, il était pas terrible, mais il n'était pas génial non plus. Bref, donc j'ai vu Eva avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel, je digresse complètement, et ben c'était pas bien non plus. Le film parle donc de Isabelle Huppert qui est une prostituée senior, on va dire, et de Gaspard Ulliel qui est un faux auteur de théâtre parce qu'il a volé la pièce de quelqu'un d'autre, et tous les deux se retrouvent mêlés à la même histoire qui se passe moitié à Paris, moitié en Savoie. Histoire certainement pour la production et le tournage de gagner un petit peu des ronds en tournant en province, n'est-ce pas? Et donc on a constamment l'impression que les personnages sont dans le train. Je me suis même demandé à un moment si c'était pas sponsorisé par la SNCF. Et tout ça... Et bon, le film est aussi très plat, les dialogues sont assez creux, on ne sait pas où il veut en venir, ça n'a aucun intérêt. On se désintéresse vite des personnages et de ce qui se passe. Et puis on se rend compte que Gaspard Ulliel n'est pas du tout un bon acteur. C'était dommage, c'était raté. Et on se retrouve demain pour la suite. Salut, là il est 8h30 du mat, on est lundi, il fait super beau et je suis pas hyper en avance pour aller voir les 3 films en projection presse que je dois voir aujourd'hui. Donc on y va tout de suite. Alors très clairement, la matinée, ça a commencé chaud, donc avec Utoya, le film sur Andreas Breivik qui va buter 70 pauvres petits Norvégiens sur une île le 22 juillet 2011. Alors très clairement, là, ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis sortie du film. J'ai dû boire un petit café pour m'en remettre parce que c'était chaud quand même. On va dire que bon, c'est un film norvégien réalisé en Norvège avec des acteurs norvégiens sur l'île en question par Erik Pope. Et comme on connaît un petit peu le cinéma scandinave, on sait très bien qu'ils vont des fois un peu loin dans ce qu'ils proposent. Et là, c'est très clairement le cas. Voilà, il y a des passages qui sont à la limite du soutenable, très clairement. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on attend de ce genre de film. C'est-à-dire que ça nous fait penser à Bowling for Columbine. Enfin voilà, c'est personnellement moi mes pires cauchemars. Me faire chasser par un mec qui a un flingue, je vois pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il fait ça et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Voilà, donc c'était un bon film. C'était une véritable expérience de cinéma, encore une fois. Voilà, nouveau là, il est 4h30, j'ai terminé ma journée des histoires vraies, hein, parce que j'ai vu que des films tirés de la vraie vie. Je me suis nouveau mis là parce que c'est plus facile pour moi de filmer, il n'y a pas beaucoup de monde qui me passe à côté, c'est plus sympa. Et donc après ce matin où j'ai donc vu Utoya, je vous en ai déjà parlé, j'ai passé la journée à, dès qu'il y a une porte qui se claque, avoir l'impression que c'est un coup de feu. Mais bon, maintenant c'est fini, on va dire. Et à midi, donc j'ai vu le film sur Romy Schneider de Emily Attaf avec Marie Boyma. Alors il faut dire que c'est une actrice que je connais parce que en 2015 j'avais eu la chance de faire partie d'un jury de jeunes franco-allemands qui ont pu venir ici à la Berlinale et donner un prix, et on avait une présidente du jury et il s'avère que c'était elle. À l'époque, elle venait d'apprendre qu'elle allait certainement faire ce film et qu'elle allait donc incarner Romy Schneider, et donc c'était pour elle un rêve. Et maintenant moi j'ai été franchement ravie de voir ce film à l'écran, d'autant plus qu'elle est vraiment fascinante dans le rôle de Romy Schneider. Après évidemment, je ne sais pas, je pense que normalement le film devrait sortir en France parce qu'en plus il se passe en France. 3 jours à Quiberon, ça se passe dans la vie de Romy Schneider quand elle a déjà 42 ans, et honnêtement il n'y a pas grand chose qui va bien pour elle. C'est vraiment un film, il est tourné en noir et blanc, c'est un film tourné en noir et blanc, je trouve que c'est un artifice qui rend le film très élégant. Elle-même, Marie Boehmer, dans le rôle de Romy Schneider, est hyper crédible. Je trouve que le film est très bien écrit. J'ai juste pu lui reprocher d'être un chouïa long. Ça tirait un petit peu,
Ça tirait parfois en longueur dans la démonstration, mais sinon j'ai vraiment passé un bon moment avec 3 jours à Quiberon de Émilie Atef avec Marie Boehmer. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. J'ai ensuite rapidement enchaîné avec 7 jours à Entebbe. Après 3 jours à Quiberon, j'ai fait donc 7 jours à Entebbe. C'est un film qui se passe en 1976 et qui parle du commando terroriste qui avait détourné l'avion de Air France pour faire pression sur l'Israël au début du conflit israélo-palestinien. Clairement, le film veut démontrer qu'on n'a toujours pas réglé le problème. Au sein des terroristes durant cette semaine-là, il y avait 2 Allemands qui sont joués ici par Daniel Brühl, que vous avez pu voir notamment dans Goodbye Lenin il y a maintenant plus de 15 ans, et Rosamund Pike, à qui j'ai découvert qu'elle parlait super bien allemand d'ailleurs, que vous avez elle pu voir dans Gone Girl notamment de David Fincher. Tous deux ils jouent, alors c'est pas un couple mais plutôt un duo de terroristes allemands donc qui se mêlent, enfin ils s'appellent pas terroristes, ils s'appellent révolutionnaires, qui se mêlent donc au détournement de cet avion d'Air France qui allait normalement de Paris à Tel Aviv. Toute l'histoire du film parle donc de ce détournement d'avion et du raid des militaires pour sauver les 250 pauvres otages qui avaient été pris là-dedans. Bon, le film n'est franchement pas exceptionnel, il est vraiment très très long, même si le début est assez prenant, on finit par rapidement se désintéresser de l'histoire, et en plus, la mise en scène a pris le parti de faire un parallèle assez hasardeux entre la danse et le militaire, et ça marche pas bien du tout, ça donne une dernière scène qui normalement devrait être hyper puissante, et qui finalement est tout à fait brouillonne. Par contre, j'ai beaucoup aimé les prestations de Daniel Brühl et Rosamund Pike. Et aussi, à noter dans le film, on retrouve le Frenchie Denis Ménochet qui joue un des ingénieurs français de l'avion. Voilà, donc ça, c'était pas exceptionnel. Mais on va dire qu'aujourd'hui était relativement une bonne journée parce que j'ai quand même franchement apprécié Utoya et j'ai beaucoup aimé le film sur Romy Schneider. Maintenant, je vais aller plus tard à l'ambassade de France pour la soirée du cinéma français. Je verrai si je peux vous filmer quelques petits trucs. Le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Das war Jean-Luc Godard, der einmal gefragt hatte, warum denn über andere Dinge als das Kino sprechen sollte. Das Kino spreche doch schon über alles, hat hinzugefügt. Meine Damen und Herren, Kino ist Politik, Kino ist Kultur, Kino ist Fantasie.